Salut les amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Mirage. Aujourd'hui, petite exploration et amélioration d'équipement, et un gros morceau sur cette vidéo, qui est un peu plus longue qu'habituellement. On va s'attaquer à la prison de Damas pour libérer un personnage important. Je vous souhaite bon visionnage, et à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, un petit follow, un petit commentaire, et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez surtout pas, c'est gratuit. Allez, à plus. ذلك غريب. تحلى ببعض الأدب. ما مشكلة؟ احذر أيها السيد، أنت كبير وأنا صغير. Allez, fais l'erreur. Fais attention à ton maître. Roshan et Foulad seraient ravis d'apprendre ces nouvelles. Ah.
Mais à la place d'Ali, j'aurais agi de même. La cohésion d'une armée dépend après tout de son soldat le plus lâche. Assalamu alaikum, Bassem. Wa alaikum assalam, Ahmad. Comment s'est passé ton voyage ? Moi, c'est Abu Jafar. Ah, pardonne-moi. Il y a un problème ? Pas encore. Mais nous avons appris qu'Ali préparait un accord avec Nour, en vue d'approvisionner les rebelles en échange de son aide. L'ordre est une épine dans sa sandale, oui. Mais c'est le califat que vise Ali. Il voudra que nous honorions ce marché. Toi, quelle nouvelle as-tu ? Notre cible est appelée Al-Rul. Il emploie des prisonniers et des ouvriers à creuser à l'extérieur de Bagdad. Ali et certains de ses hommes ont été capturés et marqués. Béchi et moi en avons libéré la plupart. Mais Ali avait été emmené ailleurs pour être interrogé. L'un des rebelles m'a montré sa marque. Si la liste des captifs est exacte, Ali a été envoyé à la prison de la Porte de Damas. Où sont les rebelles à présent ? À un moulin, dans les faubourgs du Nord. Je vais aller les voir. Vous, tâchez d'en savoir plus sur ce marché. Trouvez Ali. La prison de la Porte de Damas est la mieux gardée de tout Bagdad. Cela promet d'être un défi de taille. Tu peux me croire. Je vais aller en reconnaissance. Retrouve-moi près de la porte de la prison. Aurais-tu un instant à m'accorder, Bassim ? J'ai à te faire part de quelques idées utiles. Je suis tout ouïe. Tout d'abord, j'ai préparé un panneau rassemblant les informations de nos espions en ville. N'hésite pas à le consulter. Ensuite, tu pourras trouver pléthore de matériaux permettant d'améliorer tes armes. Va voir Jawar, le forgeron, près d'ici. Il pourra t'aider. Enfin, je peux t'aider à améliorer tes outils. Apporte-moi des matériaux, et je te montrerai à quel point mon talent est sans égal. Toujours plein de ressources. Merci, Abu Jafar. Chercher un moyen d'entrer dans la prison de la Porte de Damas. Je dois le retrouver. Mais auparavant, je ferais bien d'aller trouver ce forgeron. Les améliorations qu'il est capable d'apporter à mon équipement pourraient m'être utiles. Alors, que vois-tu ? Je
عندما يدور بين الرئتين والقلب بطريقة ما كطبيعة الأعمال الهندسية فإن محطات مياه الرصافة يجري توزيعها. لا يبشر هذا بخير. Ravi de te voir. Bonjour. Voyons un peu ce que tu as. Jette un œil. J'ai un don pour le tranchant. Je peux améliorer la lame ? Je peux lui offrir une seconde vie. Parfait. Je peux améliorer la lame? Je peux l'améliorer pour toi. Merci. Je m'y connais assez bien en lame. Rien d'autre ? Je dois m'en aller. Adieu alors. Guide-moi, Rick. Rapprends-toi, ou tu connaîtras le courroux de Dieu. Bonjour. Que la paix soit sur toi, l'ami. Qu'as-tu à vendre ?
Le choix ne manque pas. C'est léger, mais cela détourne la plupart des lames. Ça peut se renforcer. Une bonne couche de protection, c'est toujours plus prudent. D'accord. Quoi, rien d'autre? Nous nous reverrons plus tard. Adieu, l'ami. Il faut que je fasse disparaître ça. Il est là! Attrapez-le! Hey, qu'est-ce qui se passe? Hey! Tu crois pouvoir se cacher encore longtemps? أنت
La voilà, aussi cruelle et impitoyable que dans mon souvenir. Y as-tu été incarcéré ? Oh non, je n'y suis jamais entré. En fait, je n'en ai jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. C'est d'ici que je faisais voler mon cerf-volant, au-dessus des murs de la prison. Il avait une forme unique, vois-tu. Mon père et moi l'avions fabriqué ensemble lorsque j'étais enfant. Alors je venais ici, jour après jour, espérant que la brise l'emporterait assez haut pour qu'il le voie et qu'il sache que j'étais là. J'ignore s'il l'a jamais vu. Je connais cette souffrance et suis peiné que tu la connaisses aussi. Il ne faut pas. Ces souffrances façonnent nos chemins, nous rappellent qui nous sommes et qui nous pouvons être. À propos de chemin, je n'en vois qu'un. Et il est loin d'être accueillant. Oui. Il nous faut trouver un moyen de te faire entrer sans être vu. Cela sera-t-il utile ? Comment as-tu obtenu ça ? Béchi, il m'a dit que ces jetons avaient une grande valeur aux yeux des petites gens. C'est exact. Tu pourrais peut-être amener les gardiens à fermer les yeux, ou te procurer l'aide de quelques marchands. Je verrai alors ce qui me conviendra le mieux. Je te laisse et regagne le bureau. Wafa Kakalla. La moitié des orteils. Seulement, je ne peux pas attendre cette bonne sangle. Bon, je suis une horreur. J'ai connu pire en combattant avec l'émir de Bar. Maintenant, allez, Kaïda. Seriez-vous des hommes d'Ali ? Ah, nous l'étions. Mais cela fait des semaines que nous ne l'avons pas vu. Et les rebelles sont en mauvaise posture. Ce n'est que temporaire. Ali est retenu dans cette prison. Ali ? Ici ? Je craignais qu'il soit mort. Je compte le libérer. Mais j'ai besoin de votre aide pour entrer. Et qui es-tu ? Nous souhaitons naturellement le retour de notre chef, mais... comment être sûr que tu es digne de confiance ? Béchi m'a dit que ce jeton me permettrait d'obtenir votre aide. Alors, qu'en dis-tu ? S'il t'a remis ceci, c'est qu'il doit te tenir en haute estime. Nous allons nous occuper des gardes. Observe avec soin, puis passe à l'action.
j'ai une technique intéressante. Ça va être mort. Hey. Autant la sueur que le désespoir. Allié quelque part dans cet endroit sinistre. Reste à le trouver. Allons bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Une minute. Montre-toi là. C'est l'heure de mourir. Hey!
Allez, viens prendre ton petit bain de sang. Ali a été emmené dans les sous-sols de la prison et probablement supplicié. Je dois faire vite. Cacher encore longtemps. Seul un fou nous attaquerait. Une minute. C'est l'heure de payer.
sauvages compétents, des guerriers redoutables. Samir dit que les Turcs sont le cœur de l'armée, que le calife, lui, a le peuple. Mais ces époux, alors? Et le vizir? Je me mets à ronfler. Ne reconnaîtra pas quand j'en aurai fini avec toi. Une minute! Je ferais mieux de repartir. Ouais, je suis sûr que c'était un djinn avec de gros sacs d'or. Hein? C'était
étrange. Hey ! Tu vas crever ! Tu n'es qu'un pleutre ! D'accord. On reste en éveil. Là-bas. Il a dû te sentir arriver. Quoi ? Victor ! Hey, c'était quoi ça ? Hey, quoi ? Une minute ! Qui est-ce qui t'a fait ça ? Le geôlier. Où est-ce qu'il est ? Avec un autre détenu. En dessous. Il n'en a plus pour très longtemps. Il parle probablement d'Ali. Pourvu que je n'arrive pas trop tard. Je ne pensais pas que des démons pouvaient fouler cette terre. Mais cet homme, c'est le mal. Ne perds pas espoir. Notre geôlier aimerait trop ça. Il cherche à nous briser. Oh, il y a réussi. Qu'est-ce que c'était ? Réveillez-vous ! On a vu quelque chose ! Mais qu'est-ce que... Oh ! Thank you.
يدوم. ألقى المستعيد يدفعون المرء دائما. كان الطير مزدحما ليلة البارحة. رقص وغناء. على المقاطعة، لكن أعلم أنني لا يجدر بي ارتداء كثير من الحرير. لا أريد أن أغضب الله، لكن قماش للغاية مقارنة بقماش القيش C'est sûrement Ali. À qui ai-je l'honneur ? Bassim, un ami de nous. Discuter peut attendre. Il faut que je te fasse sortir d'ici. Pas si vite, Azizi. Nous ne pouvons pas encore partir. Il faut que j'aille dans la salle des gardiens. Et pourquoi ça? C'est après Al-Ghul que tu en as, n'est-ce pas? Les gardiens de cette prison sont à son service. Ils emmènent les prisonniers par groupes entiers jusqu'à des sites de fouilles, à la faveur de la nuit. Si nous mettons la main sur leurs ordres, nous apprendrons peut-être où doit se rendre Al-Ghul. Est-ce une raison suffisante? Reste près de moi, baisse-toi, et surtout... Oh, allons, Bassim. Je sais très bien me défendre. Vraiment? Et avec quoi? Essayons surtout de ne pas nous gêner mutuellement. Dis-moi, Bassim, il faut que je le sache. Comment as-tu fait pour arriver ici? Facile. J'ai rentré le ventre et je me suis glissé dans les fissures. Prends cela comme un compliment. Je sais que les tiens affectionnent l'ombre, mais même le plus grand voleur du monde resterait à l'écart de cette prison. Allez, un jour je te parlerai de mon passé. Alors tu comprendras. Ah oui, j'ai hâte, en effet.
La salle des gardiens est derrière cette porte. Il va falloir faire vite. Brisez cette porte! Allez! Je sais! Là-bas! Près de l'armure! Vite! Oui, je l'ai! Porte ça à Roshan, mon maître! Elle est avec tes rebelles à la place forte du moulin! Je vais retenir les gardiens! Allez, va! Thank you.
veux. Qu'est-ce que c'était, ça? Toi!
Oh, un message de Walid. On sera de garde aux portes du harem demain. Moins d'y remédier, je ne pourrai pas rejoindre Ali. Le risque serait trop grand. Prête-moi ton regard. À avoir jamais arpenté le désert. Il ne faudrait pas en parler à la chouette. Le calife lui-même approuve ce message. Hé, ce n'est pas quoi sur les affiches ? Ah ! La chouette s'est tardée. Il faut que j'aille retrouver Ali et que nous essayions d'en savoir plus sur Alruin. Il s'aventure hors des murs. Voilà, soyez vigilants lors de vos déplacements. Et regardez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, qui était un peu plus longue que d'habitude, avec quelques péripéties durant celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, et un petit follow fait toujours plaisir. Allez, salut !